ne doit pas manquer. Yeah, 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 yeah. Yeah. Le maréchal de la brigade anti-mangeur d'arbres. Bien-aimés, cette nuit, j'ai l'honneur de vous présenter le prophète Jacques Asson de nous acclamer plus fort. C'est vrai que étant à table avec saint ici, Jésus Adana, il y a un de vous qui va me délivrer. Jésus Adana, il qui me tend la main en même temps que moi. Jésus Adana, de place, c'est lui qui va me délivrer. Jésus Adana, cette parole, c'est accompli. Jésus Adana, c'est Judas qui avait mis la main. Jésus Adana, même Judas. Jésus Adana Noah, Jésus Adana Noah, Jésus Adana Noah, Jésus Adana, Jésus Adana Noah, Jésus Adana, Jésus Adana Noah, Jésus Adana, Jésus Adana Noah, Jésus Adana. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient. Jésus revient bientôt. Jésus revient. Jésus Adana Noah. Jésus Adana. Jésus Adana Noah. Jésus Adana. Jésus Adana Noah. Jésus Adana. Quelqu'un, tu es béni. Oui. Que vous voulez ou pas, nous avons toujours des Judas autour de nous pour nous créer des problèmes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
amour, 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 salaire, amour.
Jésus est plus puissant que les sorciers. Jésus est plus puissant que les sorciers. Qui c'est ça? Amen. Qui croit ça? Amen. Même sorcier, même sait que Jésus est fort. Alléluia. Même sorcier, même sait que Jésus est fort. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer, notre Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Anti-mangeur d'âme. Comme le sorcier manque pas seulement âme, il détruit. Parce que la sorcellerie encore tout. Destruction, mangeur, tout ça. Donc c'est la brigade anti-sorcier. Alléluia. Amen. Quels sont les sorciers qui ont été délivrés qui sont dans la foule? Les sorciers, il n'y a pas longtemps, ils ont laissé après des chibouillas la nuit. Ils posaient soin de manger bien. Je veux voir les sorciers délivrés. N'y a pas un agi, Ogioya Nazahi, n'y a pas. Atolako, Oya Nazayo, n'y a pas un agi, Ogioya Nazayo, n'y a pas. Yeah.
des ouvriers de Satan. Et il travaillait avant pour Satan. C'est un message très fort pour dire on fait partie de l'état de la sorcellerie, délivrer, servir Dieu. Alors d'autres disent qu'on ne peut jamais laisser la sorcellerie. C'est un faux message. Or Dieu est souverain, dans sa souveraineté, peut délivrer tout le monde. Dieu n'est pas limité. Amen. Amen. Vous êtes sorcier ou est sorcier? Merci, madame Paté. Madame, ça va? Ça va? Vous avez rajeuni un peu? Parce que la sorcellerie, la nuit, tu t'envoles. Tu vois, non? Nous, on appelle ça souvent. C'est la nuit, toi, tu as travaillé, on est vigile. On est vigile. Je te promets la nuit. Tu as vu? Maintenant, tu t'envoles plus, hein, là. Comment tu peux prendre ton braqueur, aller attaquer ton propre enfant? Ben, tu as envie de boire sang, on est du vin. Elle boit vin, sang de sa fille, donc il braquer, aller l'attaquer. Maintenant, ça va? Ben, c'est du passé. Hein. Ce sont des témoignages. C'est ça qu'on appelle témoignage. Le jour où tu vas retourner là-bas pour manger, même si ça sent bon, tu dis non. Tu vois un peu comme la vieille dit non. Les machins jouaient à Djeké, on faisait pas beaucoup, le chat arrêté. Mamie vient, elle est venue, elle dit servez-moi. Mais si tu te promets à Djeké, où on vend pas beaucoup, moi tu serves. Ça va? T'as vu que sorcellerie là, c'est pas une bonne chose. Hein? C'est pas une bonne chose. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les gens ont peur même du sujet. Il y a des gens qui ne veulent même pas parler. Donc on ne parle pas de sorciers dans mon église. Je ne veux même pas. Mais quand on parle des sorciers, ils viennent attaquer. Or, la force que Dieu nous a donnée, c'est au-dessus de la sorcellerie. La Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans les sorciers. Pourquoi avoir peur des sorciers? Si moi je donne à la même maison un sorcier, c'est le sorcier qui va sortir. Oui, c'est comme toi. La Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Amen. Nous avons une force. C'est la force du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Face à cette puissance, les ténèbres ne peuvent même pas faire quelque chose. Nous avons la lumière en nous. Ils ont les ténèbres. Alléluia. Amen. Ça va? Et ton chéri Coco? Définitivement ou bien? Il va revenir après. Puis c'est cherché, non? Il ne veut pas te prendre par terre, toi. Combien tu veux? Pourquoi c'est? C'est pour le meilleur et le pire. Je vais te dire, Toi. Même ici un peu. Non, je te pose la question. Ah! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On aura besoin de ton témoignage demain. Le délivré, ça va? Comment toi, on est pâté, elle fait pâté, sorcellerie? Tu es délivré? Tu es délivré? Et toi? Oui, je suis délivré. Non, toi, on a déjà vu pour toi. Et toi, madame? Oui, je suis délivré. Et toi? Je suis délivré. Comment? Oui. Tu es délivré comment? Je suis délivré de la sorcellerie. Et toi? C'est chinois, tu parles où? C'est quoi? Quatre fois les? Quoi? T'as laissé quoi? Sorcé. Amen. Ici, c'est une école. Ouais. En fait, nous démystifions le sujet. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Or, ici, nous démystifions la chose. Pour permettre aux gens de venir investir en Afrique. Or, la solution se trouve en Jésus. C'est tout. C'est tellement simple. Amen. Amen. Donc, si vous voyez, viande, si c'est chaud, dit, viens manger. Où allez-vous comment? Hein? Où allez-vous passer? Vous avez ça, les gens, ça.
Ça. Ils disent, mais ça de Jésus, ça de Jésus. Il y aura des nains, ça de Jésus. Ne soyez pas attirés. Ne regardez pas un œil, regardez tout droit. Amen. Parce qu'après de Jésus, là, c'est non répit. La Bible dit que celui qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Amen. Celui qui va s'amuser à ça, c'est dangereux. Hein? Ou même vous avez vu que vous allez tuer, vous n'allez plus, il ne veut plus vous envoyer ici. Ça, je dis passé. Or, si tu as honte de rendre témoignage, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu rendes témoignage de la puissance de Dieu. C'était vraiment important pour vous de rendre témoignage. Amen. C'est-à-dire ceux-là, ils t'ont attrapé dans une maison. Avant, hein, ils ne parlent pas de maison. Même tes os, n'est-ce pas? Ils vont broyer tes os. En 5 minutes, tu es mort. Mort, mangé, ébroyé, digéré. Allez vous asseoir. On acclame Jésus pour la vie. Je suis très malin tout ça, tu mets les deux mains dans la tête. Alléluia. Je suis très malin de dire Jésus-Christ au-dessus de la sorcellerie. Dieu peut nous délivrer de la sorcellerie. Dieu peut délivrer toutes ces personnes, dites sorciers dans votre maison. Amenez-nous ces personnes, nous allons les délivrer. Or, d'autres personnes les tuent dans d'autres contrées, sur d'autres sions les tuent. Amen. On peut être délivré de la sorcellerie, c'est possible. Alléluia. Amen. Chose bizarre, c'est que dans ces temps-ci, ça fait 3 mois, le chiffre a gonflé. Nous avons déjà délivré plus de 1000 sorciers déjà. Ouais. Vous savez, en 6 ans, en bien 10 ans, on a déjà fait plus de 5000. Mais regardez, en 3 ans, en 3 mois, on a commencé à délivrer 1000. Mais j'ai compris qu'au fait, c'est parce que les gens ont su maintenant que le prophète a dit vos. Voilà, qu'ils ont commencé à envoyer des personnes pour être délivrées. En fait, c'est un peu ça aussi. Comme les gens savent maintenant qu'il y a un endroit où on peut délivrer les sorciers, bon, ok, ils viennent tranquillement, sans problème. Donc, je vous demande de prier beaucoup. Nous sommes en train d'agrandir. Hein. La semaine qui vient, nous allons commencer la construction du temple. Nous allons construire un temple juste derrière. Et d'abord, un préau, nous allons monter un préau. Nous allons commencer à prier en bas. Et puis ici, sera un chantier. Nous allons construire ici, désormais, les chambres seront climatisées à l'image de Dieu. Dans chaque chambre, il y aura des WC, des toilettes, dans chaque chambre. Dans la cour sera bien faite. Vraiment, il y aura quelque chose de très potable. Potable par la grâce de Dieu. J'en profite pour vous dire merci pour ceux qui contribuent déjà par rapport à cette construction. C'est ta maison et c'est ma maison. C'est la maison de Dieu. Il est vraiment important pour vous d'investir une fois dans une construction d'une église. Ça, c'est vraiment important parce qu'ici, nous apportons beaucoup de choses. Nous délivrons les gens, nous apportons la vie autour de nous. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je vais vous enseigner ce soir l'importance de la délivrance. Amen. Dis à quelqu'un l'importance de la délivrance. L'importance de la délivrance. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle délivrance? C'est quoi? Qu'on dit. Je veux être délivré. Tout le monde pleure. Je veux être délivré. Je veux être délivré. Ça veut dire quoi? Deux personnes répondent à cette question. Arracher de quelque chose, bien sûr, pas mal. Oui. Libérer, pas mal, c'est bien. Oui. Être sauvé, non. Délié. Amen, c'est bien dit. Arracher de quelque chose, libérer, laisser totalement et délier. Amen. En fait, quand on parle de délivrance, amen. Ça dit qu'on délie. On délie une personne qui est liée, qui est captive, qui est attachée quelque part dans une prison. Dans une bouteille, quelque part donné, qui ne peut pas se mouvoir, qui n'est plus libre. Qui n'est plus libre. Amen. Alléluia. Une personne qui n'est plus libre. C'est-à-dire que tu vois, mais tu n'es plus libre de tes mouvements. Tu as l'impression que c'est les gens qui te poussent à faire ça. Tu as l'impression que tu es quelque part emprisonné, enfermé, tu es étouffé. Parce que tu n'arrives pas à avancer. Tout est bloqué autour de toi. Là, on dit que la personne a besoin d'un. Yes.
Amen. La personne a besoin de délivrance. Maintenant, pour comprendre l'importance de la délivrance, j'aimerais vous dire à chacun d'entre nous, vous savez, en tant que chrétien, on ne vient pas en Jésus lorsqu'on est délivré. Est-ce que vous avez bien saisi? Je vais bien enseigner mon message. C'est-à-dire, Jésus ne vient pas sauver ceux qui sont délivrés. Est-ce qu'on m'a saisi? Jésus ne vient pas te sauver parce que tu es délivré. Non. Jésus te sauve et t'a même possédé. Tu es possédé. Tu as les démons. Tu as les esprits. Tu es emprisonné. Et puis Jésus te sauve. Amen. Amen. Donc on vient à Jésus avec les esprits. Nous venons à l'église avec des esprits. C'est ça que quand vous voyez ici dans cette église, vous allez voir des gens qui ont des esprits qui viennent à l'église. Et pendant qu'on prêche ou qu'on parle, les esprits se manifestent, ils sont délivrés. Donc ce n'est pas l'extérieur qui délivre, c'est l'église qui délivre les gens. Amen. Donc l'église a besoin des gens possédés. Donc on vient à Jésus avec tous nos esprits. Or, on peut être dans une église, on peut être dans un lieu de prière, et puis on est encore lié. Est-ce que vous avez saisi? Tu peux aller dans une église, dans un endroit où on prie, où on prêche. Or, la prédication ne peut pas délivrer une personne. Parce que quand on parle de lié, c'est qu'on est attaché. On a besoin d'être libéré de quelque chose. Amen. De quelque chose. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Donc, on vient à Jésus. On peut être à l'église, faire des années à l'église, et puis être encore lié. Alléluia. Être encore lié. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, vous savez, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu. Allons-y dans le livre de Romains. Qui veut délivrer ce soir? Qui veut délivrer? Amen. Qui veut délivrer? Tu seras délivré, dis Amen. Tu seras délivré. Le diable va te restituer ta santé. Il va te restituer ton mariage. Il va te restituer ton voyage. Parce qu'il t'a lié, t'a attaché. Il t'a mis dans une prison à point qu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à te retrouver. Mais laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Dieu a décidé de te délivrer. Alléluia. Dieu a décidé de te délivrer. Nous prenons Romains le chapitre 7. Romains le chapitre 7. Allons-y, on y va. Romains le chapitre 7 à partir du verset 15 à 25. Amen. Est-ce qu'on suit un peu? Amen. 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 Romains le chapitre 7 du verset 15 à 25. On y va. Car je ne sais pas ce que je fais. Écoutez, l'apôtre Paul est en train d'enseigner à l'église de Corinthe, et puis de Romains, si, n'est-ce pas, l'état de quelqu'un qui est possédé, il parlait de lui-même, il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Écoutez très bien. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais pas ce que moi je veux. Et je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Vous comprenez? Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, ce qui est bon, je le sais. Je le sais. N'habite pas en moi. Il dit que ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté. Mais j'ai la volonté. Mais non le pouvoir de le faire bien. Mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Cette loi. Quand je veux faire le bien. Quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'apôtre Paul est en train d'enseigner ici l'importance de la délivrance à l'église de Rome. Et là, il parlait un peu des péchés et tout ça, et ceux qui étaient derrière les péchés et tout ça. Amen. Amen. Et cela va nous intéresser ce soir. Amen. Amen. Regardez un peu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était d'abord quelqu'un de... C'est quelqu'un qui était parisien, c'est un enseignant de la loi. Et puis c'est quelqu'un qui a commencé à persécuter l'église de Dieu.
Et puis finalement, il a fini par se convertir sur le chemin de Damas. C'est là que Jésus-Christ s'est révélé à lui. Amen. Amen. Et puis du coup, quand il s'est converti, même quand il s'est lancé dans la paix, quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus sur la route de Damas, où il partait tuer les chrétiens, et Jésus a dit, il a rencontré Jésus, il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Jésus qui s'est révélé à lui, immédiatement, il allait quelque part dans une maison, il a été frappé d'aveuglement, et c'est comme ça son appel a commencé, il a commencé à servir Dieu. Mais regardez dans ce passage, il dit, ce qui est important dans le passage, reprenons le verset 7, c'est ça? Ok. Il dit, écoutez, je fais la lecture. Est-ce qu'on a la Bible? Il dit, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Amen. Or, il constatait qu'en lui, qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Il constatait que